Salam alaikum, Azul Vlaoun, bonjour. Avant de commencer l'émission, je voulais vous montrer ce background, Al-Mujahed, du 29 mai 1958, quelque temps après l'assassinat de Abba Ramadan sur ordre de Boussouf. Voilà, voici le mensonge fondateur du régime actuel, Abba Ramadan, est mort au champ d'honneur. Voilà. Je voulais vous le montrer et je vous rappelle qu'Al-Mujahed a été créé sur l'initiative de Abba Ramadan et de Beni Youssef Belkhadda. Bien. 58 ans après sa tenue, le congrès de la Soumam n'en finit pas de soulever les passions, de susciter les rumeurs les plus fantaisistes, mais aussi et surtout pour certains courants résolument islamophobes et arabophobes, de l'ériger comme l'action politique majeure qui a cherché à corriger ce qu'il désigne comme une déviation arabiste et islamiste. Selon ces courants extrêmes, pour ne pas dire extrémistes, le congrès de la Soumam s'est voulu une refondation moderniste et occidentaliste de la révolution algérienne. C'est dire combien certains forgerons de l'histoire ne se privent pas de tordre à la convenance de leur thèse, des faits historiques d'une très grande ampleur. D'autres intellectuels, plus honnêtes, mais non moins catégoriques, affirment que le congrès de la Soumam n'est pas complémentaire de la déclaration du 1er novembre, mais son antithèse. Ils rappellent qu'une partie importante de sa plateforme a d'ailleurs été abrogée par le CNRA le 20 août 1957 au Caire, en l'absence de Ben Bella, Bouddhia, Khidr, Aït Hamed, qui étaient détenus à la prison de la santé. Abben serait donc, selon certains, un anti-islamiste avant l'heure. Écoutons ce que dit Ben Youssef Belkhadda dans son livre Abben Ben Mehdi, le rapport à la révolution algérienne. Je le cite, c'est un passage de son livre. Faut-il le rappeler dans la tendance islamiste née plus à démontrer, a été membre titulaire du congrès de la Soumam. Donc voilà ce qu'il dit. Certains esprits malveillants ont voulu voir dans la condamnation de la théocratie par la plateforme de la Soumam la condamnation de tout État inspiré de l'islam. Dans une théocratie, le gouvernement se donne pour mission de représenter Dieu comme le faisaient en Occident certains monarques du Moyen-Âge et sans rendre compte de leurs actes à personne. Alors qu'en islam, personne ne peut prétendre au monopole de la représentation de Dieu. De plus, en islam, le gouvernement est tenu de rendre compte et il est soumis à la critique de tout gouverné, selon le principe bien connu d'Al-Muhasaba, ce qui explique l'absence de clergé dans les pays musulmans. Théocratie. Théocratie, c'est les Français, veut dire régime où l'Église, les prêtres exercent un rôle politique prédominant. Ils évoquent dans leur mémoire collective les guerres de religion et autres Saint-Barthélemy où les catholiques se livrèrent au massacre des protestants. La plateforme de la Soumam repousse l'image de fanatisme religieux, met-il entre guillemets, et autre barbarie arabe, met-il entre guillemets, dont les médias et le gouvernement en France affublaient le FLN. Jamais ne fut remis en cause dans la plateforme de la Soumam la proclamation du 1er novembre 1954, dont l'objectif fondamental était, il remet des guillemets, la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Rappelons quelques traits saillants. Voilà, donc, fin de citation. Donc, rappelons quelques faits saillants de Abba Ramadan avant de passer au débat. Il entre en clandestinité dès la fin des années 40. En 48, il est désigné chef de Wilaya PPA MTLD dans la région de Sitif, puis celle d'Oran. Il a été membre de l'OOS, organisation spéciale, une organisation dont la mission était de préparer la lutte armée. Arrêté après que l'OOS ait été éventé et démantelé, il fut torturé, longtemps incarcéré, condamné à 5 ans de prison, 10 ans d'interdiction de séjour, 10 ans de privation de droits civiques pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il sera transféré de prison en prison entre la France et l'Algérie, soumis à un régime de droit commun très dur. Il entreprit une longue grève de la faim qui faillit lui coûter la vie.
il obtint le statut de prisonnier politique. Aussitôt sorti de prison, il entre en clandestinité et prend la direction politique d'Alger. Il rédige lui-même des tracts signés au nom du FLN. Il devient très vite une figure de proue de la Révolution. Il sera, avec d'autres leaders, de toutes les initiatives capitales, comme celle de la création de l'UJTA, des commerçants, des étudiants. Avec Ben Youssef Ben Khedda, il initiera la création d'El Moujahed, l'organe d'information du FLN, qui publiera l'annonce de sa mort dans un article mensonger qui affirmait que Abba Ramdan était tombé au champ d'honneur alors qu'il avait été étranglé sur l'ordre de Bossof. C'est lui aussi qui a convaincu le grand poète mozabite Moufdi Zakaria d'écrire les paroles de l'hymne national Qassaman. Il faudrait des livres et des livres pour dire ce que cet homme exceptionnel a fait pour la révolution algérienne. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Cette émission a été demandée par le professeur Belaïd Abben, analyste politique et néanmoins neveu de Abba Ramdan. Il a souhaité apporter des réponses à certains propos de l'historien Sadr Sellem qui avait répondu à nos questions lors d'une précédente émission sur le congrès de la Soumam. Nous allons donc tout de suite donner la parole à Belaïd Abben. Avant, nous allons vous montrer les journaux du jour. Huffington Post, un article de Haït Ben Ali Boubakar, le Rassemblement National, l'étape décisive avant le congrès de la Soumam. Al-Watan, Rafour Bouira, commémoration du congrès de la Soumam. El Moujahed, RCD, le congrès de la Soumam, un nouveau départ pour la révolution. Alors, Sadr Sellem, merci d'abord de nous avoir rejoints et d'avoir demandé cette émission. Belaïd Abben. Oui, donc je suis là pour excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Merci donc d'avoir demandé cette... Sadr Sellem a affirmé que Ben Bella avait pris le risque de se rendre au congrès de la Soumam et qu'il s'était même rendu en Italie à San Remo pour y rencontrer un agent de liaison qui devait le faire rentrer en Algérie pour assister au congrès et que celui-ci n'était pas au rendez-vous. Et vous, vous affirmez que Ben Bella n'avait aucunement l'intention de s'y rendre parce que les Égyptiens lui avaient recommandé de ne pas y aller à cause des menaces qui pèseraient sur lui de la part de Abban et de Ben Mehdi. Qu'en est-il en fait? D'abord, Sidi Jamal Din, vous êtes rentré tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Ce que je voudrais d'abord, c'est de rendre hommage à votre émission. Merci. D'abord pour la qualité et pour la franchise, une émission dépourvue de langue de bois. Merci. Et puis, je voudrais aussi rendre hommage à votre esprit de l'équité, puisque vous m'avez permis de répondre à un certain nombre de contre-vérités proférées par votre invité du 20 août, en l'occurrence Sadr Sellem. Donc, avant de répondre à votre question sur la représentativité du Congrès de la Soumam, mais en l'occurrence la présence non attendue ou tant attendue de Ben Bella au Congrès de la Soumam, je voudrais vous rappeler deux petites choses. D'abord, moi, je ne me présente pas en tant qu'historien, vous avez bien fait de rappeler que je suis politologue. Je suis d'abord médecin, je suis professeur de médecine, médecin de formation, et donc je suis d'abord, au titre de ma qualité de politologue, que je m'intéresse à l'histoire, et donc que je vais affirmer un certain nombre de vérités qui sont toutes vérifiables. Oui. Donc je voudrais rappeler d'abord que j'ai vécu la guerre de libération nationale dans un village de regroupement du premier jour jusqu'à son dernier jour, et que ma famille a été frappée de plein fouet par la révolution algérienne, par la guerre de libération nationale, et que notre maison porte encore à ce jour les traces de multiples bombardements qu'elle a subis. Voilà, donc ça c'est pour faire une petite mise au point. L'autre mise au point, c'est concernant Abben qui serait un inconnu au bataillon. D'abord, ce ne sont pas des paroles d'historien. Ça, c'est du verbiage, des ragots de café mort. Abba Ramdan était le plus connu de ce qu'on appelle les novembristes. Pourquoi? Pour la simple raison que les novembristes étaient tous d'anciens membres de l'OS qui travaillaient dans la clandestinité. La preuve, c'est que la proclamation de novembre n'a pas été signée. Sa première preuve. Deuxièmement, c'est qu'ils ont cherché une tête d'affiche connue, à savoir l'Amin de Barine. Ça, ce sont des faits historiques. Et l'Amin de Barine, pour des raisons qui le concernent, n'a pas voulu servir de tête d'affiche.
Par contre, Abel, je vous disais qu'il était l'un des plus connus. Vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend très Par contre, bien. je disais que c'était l'un des plus connus, tout simplement parce que avait d'abord été membre du comité central. Vous pouvez consulter les livres de Ben Youssef Ben Khadda, qui, à mon avis, est digne, même s'il a des défauts, il est totalement digne d'intérêt, de confiance. Donc, il était membre du comité central. Deuxièmement, l'un des rares militants de l'OS qui a été emprisonné, à avoir fait parler de lui, c'était à Bain par une grève de la faim la plus longue connue dans les prisons françaises pour l'époque, pour obtenir un statut En de effet, prisonnier politique. en effet. Et c'est comme ça que l'Algérie libre de l'époque avait fait un article très élogieux et il a été félicité même par la direction politique de l'époque. Maintenant, puisqu'on invoque souvent Mohamed Harbi a dit publiquement qu'Aben, même dans la région de Skikda, sonnait comme le synonyme de liberté dans la région justement de Skikda. Alors, pour inconnu au bataillon, il faut peut-être utiliser une autre langue. Ah, il y a un souci. Il y a un souci. Je crois qu'on a perdu Bled Aben. Nous allons le rappeler tout de suite. Je rappelle que le professeur Bled Aben a demandé à une émission droit de réponse à la suite de l'émission que nous avions faite sur le congrès de la Soumam. Où M. Sadr Selam, historien de la libération et de la décolonisation, avait affirmé certains faits, certains événements que dénie le professeur Bled Aben. Et donc il est là aujourd'hui pour essayer d'expliquer, pour donner son point de vue, pour essayer d'apporter un éclairage sur ces dites déclarations. Donc voilà. Nous attendons donc de l'avoir, de pouvoir le joindre de nouveau. Si ce n'est pas en Skype, ce sera au téléphone, malheureusement. C'est dommage, parce qu'en Skype, nous voyons mieux les expressions du visage, le message corporel. Est-ce que l'on m'entend? Oui, on vous entend, docteur Bled, Donc je Ben. peux continuer Oui, là. mais on ne vous voit plus. Je crois que c'est le téléphone, là. Skype, attendez, peut-être on va vous voir. Ben si, je suis Voilà, uniquement très sur bien. Skype, On je vous voit. vous. On vous voit, docteur Abben. On y va là? On y va, vous poursuivez. Bon, je vous disais donc, pour reprendre cette expression inconnue au bataillon, qui n'est pas une expression d'historien. Aben était donc membre du comité central, chef de wilaya du PPA et membre de l'OS. Et tous ces témoignages-là, je les ai écrits dans mon prochain livre par des témoins de premier plan. C'est la première chose. Deuxièmement, je vous disais que Rabah Bittat m'avait fait le témoignage, que d'autres m'ont fait du reste. Et il y a encore des personnes vivantes qui peuvent en témoigner. Aben faisait partie du Docteur, staff du docteur 1er Aben, je me novembre. permets de vous interrompre un petit instant. Oui. Il me semble que Ziroud Youssef aurait dit aussi la même chose, mais pas de façon péjorative. Il a dit que Aben n'est pas encore connu, il est inconnu par rapport à la base révolutionnaire. Il Mais il fallait. était connu dans la base puisqu'il était chef de wilaya dans la région de Sétif. Donc il est connu. Et aussi connu en tout cas que beaucoup d'autres. Mais à l'époque, les gens n'étaient pas connus. On les voit avec les yeux d'aujourd'hui. Mais à l'époque, Absolument, c'était des jeunes absolument. militants, responsables locaux. Ils n'avaient pas plus d'aura les uns que les autres. C'est par la Absolument, suite, absolument. Je bon, suis on d'accord était avec vous. Ben Bella parce qu'il y a tout un tantamarre autour de sa personne après son arrestation et également du fait de la publicité égyptienne. Mais Aben était aussi connu dans les rangs militants que les autres membres en tout cas du staff de novembre. J'entends Je bien. voulais dire simplement, ce que je voulais dire, Smahle Sijamal, c'est Tfadal, que Aben était donc dans le comité des 12 chargé de prendre en charge la résistance algérienne. Une preuve intangible, c'est que la RONEO qui a imprimé la proclamation du 1er novembre est sortie de chez nous. C'est mon frère Dahman qui l'a emmenée à Dodane jusqu'à Wadaïssi pour qu'elle soit reprise en main par les gens d'Iri Limoula. Donc ça, c'est Ramadan qui a donné de sa prison. Il était à l'époque à la prison de Al-Haraj. Il a donné des instructions à son neveu pour remettre la RONEO aux gens d'Iri Limoula qui ont donc imprimé la plateforme du 1er novembre. Donc Ramadan était au courant de tout et vous n'avez qu'à relire d'ailleurs Fathi Dib, Gamal Abdel Nasser et la révolution algérienne. Il le dit. Il dit, Aben était au courant de tout, c'est Ben Bella qui lui dit en plus. Donc, ce n'est pas pour le valoriser. Très Ça, il y intéressant, a des très preuves, intéressant. des preuves, sans aucune
réserve des preuves que je vais apporter dans mon prochain livre, pour ne pas nous étendre sur ces aspects-là. Très Donc, bien. en conclusion, Abban n'était pas plus inconnu que d'autres. D'accord, Voilà. très bien. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser? Alors, est-ce que nous ne pourrions pas penser que malgré l'avancée idéologique et structurelle de la révolution algérienne par le congrès de la Soumam, celui-ci aurait mis à nu le profond désaccord qui existait entre l'intérieur et la délégation extérieure, en plus du principe de la primauté du politique sur le militaire qui allait avoir des effets ravageurs sur la di direction de la révolution. Est-ce que ça n'a Bien. pas été une mauvaise tactique que d'aller de front vers ces deux problèmes pour essayer de les résoudre et qui en fait n'a fait que les compliquer? D'accord, ok. Alors, juste un mot pour la non-présence, l'absence de Ben Bella au congrès de la Ah, Souma. j'avais oublié cette question, en effet. Je rappellerai simplement que Ben Mehdi est parti au Caire pour aller chercher des armes, est revenu au printemps 1956 et qu'il est arrivé à Alger par ses propres moyens et qu'il n'avait pas besoin d'un guide touristique pour venir jusqu'à Alger. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, si vous lisez les mémoires de Fethi Dib, il a dit, nous avons déconseillé à Ben Bella d'aller de peur d'une traîtrise de Abban et de Ben Mehdi. En fait, effectivement, moi, je l'ai su par la suite. Abban et Ben Mehdi étaient prêts à juger Ben Bella pour différentes raisons. La première, c'est qu'il a vendu toute l'organisation spéciale, Al-Munazzama Sirriya, qui était chargée de déclencher la révolution. Il a vendu nom par nom tous les membres de l'organisation secrète à la police française. Ça, c'est pas moi qui le dis, le document est dans le livre Qui de dit Benyoud ça? Soumaïla. Qui Il a dit été ça? repris par Ammar Bentoumi, qui était l'un de ses avocats. Il a vendu tout le monde, ça, première chose. Mais c'est grave comme accusation. Deuxièmement, il a confié tous les secrets de la révolution à une puissance étrangère, fût-elle amie. L'Égypte était au courant de tous nos secrets. Voilà. Ça, c'était donc. Et puis, bien sûr, sa défaillance en matière d'approvisionnement en armes. Et pour ces trois choses-là, Ben Mehdi et Abban avaient l'intention, c'était. Je peux le citer, c'est Ali Haroun, un jour, qui me fait ce témoignage, qu'il tient directement d'Abban. Il devait le juger. Et peut-être le condamner, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les Égyptiens avaient raison de lui déconseiller de venir parce qu'il aurait été jugé. Donc, Voilà selon maintenant pour vous, selon. la question de Ben Bella. Donc, Je selon reviens vous. maintenant à la primauté de l'intérieur sur Non, non, l'extérieur, si pardon, vous permettez, pardon, Assi Jamal. pardon, Sibeth. Donc, selon vous, Ben Bella ne serait pas rendu à San Remo en Italie pour attendre un agent de liaison qui serait venu. Qui était censé venir le chercher C'est pour le. possible, c'est possible. Je n'en sais rien. C'est possible, mais c'est ce qu'il dit lui-même. Ceci dit, il pouvait venir par la Libye, la Tunisie, et il avait les troupes des ORES qui marchaient avec lui. Donc, il pouvait l'introduire sans problème en Algérie. Le problème, c'est est-ce qu'il était suffisamment motivé pour rentrer? Motivé, Ben Mehdi, qui était motivé, est rentré. Wasmo Ben Bla n'était pas motivé. Il en était malade, mais il voulait pas rentrer. Voilà. Et les autres membres de la délégation extérieure ne s'occupaient pas du tout du congrès de la Souma. Ça, c'est Aït Hamed qui le dit, ils étaient suffisamment occupés par les problèmes de diplomatie. Ben Bella savait que le congrès allait j'allais dire, l'écarter, et donc il en était malade, et ça, c'est son confident, Fathi Dib, qui le dit. Donc là, c'est une réalité, si Ben Bella avait voulu rentrer, il serait rentré, lui et quelqu'un d'autre de la délégation extérieure. Alors revenons à la Parce qu'ils n'ont question. pas voulu, pourquoi voulez-vous qu'il lui envoie un agent de liaison jusqu'à San Remo? Et pourquoi donc? Il faudrait peut-être même un touring club pour qu'il vienne dans son propre pays, comme dirait Maître Belhoussi. Voilà donc pour la présence de Ben Bella au Congrès de la Souma. On peut revenir maintenant sur la question des Oresiens, parce que c'est quand même très important. Mais avant cela, si vous le permettez à Sidi Jamel, je vais revenir sur la primauté de l'intérieur et la primauté du politique. Absolument. La primauté de l'intérieur, elle n'a pas été décidée ni par Abban, ni par le Congrès de la Souma. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que les 6 du 1er novembre, que tout le monde connaît, Boudiaf, Bettat, Ben Mehdi, Ben Bouleid, Didouche, etc., et Kerim Belkacem, tant qu'ils étaient sur le sol national, avant de s'éparpiller, ces responsables-là ont décidé que l'intérieur doit primer sur l'extérieur, à savoir que la décision doit revenir aux 6 de l'intérieur et non pas à ceux de la délégation extérieure. Quand Abban est arrivé,
Oui. Il a voulu, parce qu'il était au courant de tout ça. La première des choses qu'il a faites, il envoie à Ben Bella et à Abou Diaf, il leur dit, est-ce que vous êtes toujours d'accord sur le principe de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur? Ça, c'est Yass Saadi qui le raconte dans son livre, et il est encore vivant. Oui. Et il envoie donc Yass Saadi, et Abou Diaf lui répond, oui, la primauté doit revenir à l'intérieur, ce ne sont pas les gens qui sont actifs à l'extérieur qui seraient en mesure de diriger la révolution algérienne. Ça, c'était réglé. Et je crois qu'il y a en filigrane encore une question, c'est la nomination de Lamine Bari. Ah, exactement, Eh à ben, la tête de fort la de la primauté délégation de extérieure. l'intérieur, Absolument. et à parce qu'il y avait une guéguerre au Caire, une Oui. guéguerre de chef, Oui. Aben a pris sur lui, il a sans doute, c'est sans doute excessif. On peut le dire aujourd'hui, il a nommé Lamine Bari pour coiffer la délégation extérieure, et probablement aussi pour, si vous voulez, éloigner Ben Bella de la proximité des Égyptiens. Parce qu'il y avait une trop grande proximité, tout le secret était aux mains des Pardon, Égyptiens. excusez-moi de vous. Et on peut revenir sur ces aspects-là. Excusez-moi de vous interrompre. En fait, en désignant Mohamed Lamine de Bahreïn à la tête de la délégation extérieure, Oui. est-ce que il n'avait pas pensé que tout le monde allait penser qu'il se proclamait par simple logique comme étant celui qui nommait son délégué à la tête de ceux qui commandaient, en fait. Ça veut dire qu'il s'autoproclamait chef suprême d'une manière indirecte. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Ce que je peux affirmer simplement, c'est que c'est fort de la primauté de l'intérieur. C'est l'intérieur qui Oui. décide. Et une fois qu'il a eu l'aval de la primauté de l'intérieur, donc c'est à l'intérieur de faire marcher la révolution, de décider qui doit être à la place de qui. Bled. Je peux vous l'accorder, c'est excessif. Et Absolument. probablement que si c'était à refaire, s'il était vivant, peut-être qu'il y réfléchirait. Ah, il réfléchirait à deux coups avant de le faire. Mais oh, une autre question tout aussi Oui, oui. qui est un peu dans la même foulée. Lui-même, après la débâcle de la bataille d'Alger, Oui. il a dû s'enfuir, il a dû quitter l'Algérie. Et il s'est Oui. retrouvé à l'extérieur. Il n'est Il est parti donc à plus à l'extérieur avec tous les l'intérieur autres, avec les quatre membres, avec les trois autres membres restants du CCE. du CCE. Et donc il se retrouve à l'extérieur et il n'est plus à l'intérieur. Et Exact. là se pose un grand dilemme. Il Donc, se pose un... Mais je vais vous expliquer pourquoi ils sont sortis. oui. Ils sont sortis parce qu'il n'y avait plus de direction à l'extérieur. Exact. Et il y avait des troubles, d'énormes troubles aux frontières, dont les troubles déclenchés par Barsas et qui a manipulé les Nmouchi pour entrer en rébellion contre le CCE. Oui. Donc ils sont partis et je peux vous assurer, j'en apporte la preuve formelle dans mon prochain livre, Aben avait l'intention de revenir. Et d'ailleurs, c'est sa décision de revenir, de rentrer, de revenir à réinstaller la direction à l'intérieur qui a précipité sa mort. Ça, je le démontre aussi dans mon prochain livre. Très, très bien. Donc, et sa femme elle-même, qui recevait, après sa mort, elle recevait des courriers, des faux courriers en fait d'Alger, elle était convaincue qu'il était revenu à Alger. Des faux Il courriers m'a dit qu'il allait signés revenir. à Baramdan? Des faux courriers signés à Ben pour la ramener de Tunis à Alger. Parce qu'on voulait la tuer, Quand elle elle a reçu aussi? ces courriers-là, elle peut Ouais. témoigner, elle est toujours vivante. Je peux vous la D'accord. passer si vous voulez faire une émission avec elle. Oui, Elle ah oui. disait, il lui disait, rentre, je suis à Alger, rentre, signé Ramadan. Pourquoi il voulait la Eh tuer, bien, elle qu'il était aussi? convaincu qu'il était revenu, Eh qu'il ben. était à Alger, Eh alors qu'il ben. était déjà mort. Elle m'a dit Alors. parce qu'il m'a dit qu'il partait provisoirement et qu'il allait revenir à Alger. Voilà, ça, c'est des faits. On peut leur accorder le crédit qu'on veut, mais ce sont des faits. Et je vous Absolument. dis encore, et j'insiste sur ça, c'est la décision de rentrer, et ça, tout le monde le sait, de rentrer qui a précipité sa mort, et j'apporte un certain nombre de détails pour cet épisode qui va donc précipiter sa fin. Alors, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, une question centrale. On a souvent accusé les Soumamiens d'avoir voulu couper le cordon ombilical avec l'arabité et l'islam. Et on a dit que la première mouture de la plateforme du congrès de la Soumam a été réaménagée par le CNRA parce que, pour tout ce qui concerne ces dispositions concernant la suppression des passages concernant les principes de l'islam contenus dans la déclaration du 1er novembre 1954. Alors, en fait, qu'en est-il? Oui. Si vous vous resituez dans le contexte de l'époque, Oui.
Personne ne pouvait s'imaginer que notre pays allait un jour devenir indépendant. C'était très difficile. Et je peux vous dire une chose. Je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que je n'avais pas le son, mais vous avez évoqué Qassaman. Oui. Qassaman, c'est Aben qui l'a commandité en Absolument. 1956. Je l'ai Pour dit vous dans dire à mon quel introduction. point, en Oui. 1956, lui Oui. était convaincu que l'Algérie serait indépendante. Oui. Mais pour qu'elle parvienne à cette indépendance, il faut. C'est pour ça qu'elle la primauté du politique sur le militaire. Ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre politique. Oui. Il fallait gagner le maximum d'appui, surtout dans le monde occidental. Donc les Soumamiens, on ne peut pas soupçonner ni Zirout, ni Ben Mhidi d'être des laïcs, des mécréants Ni ou Ben des Khedda, anti-arabes. ni Ben Non, ce Khedda. qui s'est passé à la Soumam, c'est qu'ils se sont dit l'arabité. Et l'islamité, ce sont deux choses évidentes. Encore que l'arabité, c'est quelque chose de très douloureux à répéter, puisque nous étions à 5 ou 6 années de l'immense crise berbériste de 49. Oh, Donc la exactement. question identitaire n'était pas encore réglée, et elle ne l'est toujours pas, du Oui, reste. exact. Donc concernant l'islam, je vous rappelle simplement que c'est Aben qui a fait rentrer le Jamiyat al-Ulama dans la révolution. Et c'est lui-même qui leur a sauvé la vie parce qu'il devait être liquidé. Voilà donc la vérité. Maintenant, est-ce qu'il fallait faire mousser la question de l'islamité? Ça, je ne pense pas que ce soit que c'était nécessaire à l'époque si on voulait gagner des appuis en dehors de la sphère arabo-islamique. Or, le FLN, il cherchait surtout des appuis dans le monde occidental pour pouvoir influer sur la France et l'amener à la table des négociations. Voilà la véritable motivation. Du reste, je vous dis, je ne vais pas rentrer dans l'intimité d'Aben. Je ne peux Oui, pas rentrer dans cette oui. timidité parce que moi, le personnage que je connais, c'était le personnage en prière. Alors ça, moi, je suis un laïc, donc je peux l'affirmer haut et fort. Ça veut dire que je ne mêle pas la question religieuse à ma sphère publique. Donc je le répète ça avec beaucoup de pudeur. L'image que j'ai gardée de lui, c'est un homme en prière. Alors pour vous dire déjà, cette histoire-là de laïcisme, francophonie, des mots qu'a employé Sadr Sillam, c'est des mots du présent qui n'ont absolument aucun sens replacés à l'époque. Le FLN n'écrivait qu'en français, rares ceux qui écrivaient en arabe. Alors que c'est quoi cette histoire de francophonie? Ce qui Exact. m'amène à parler d'ailleurs de cette histoire de Bourguiba qui a favorisé les Soumamiens. Et Eh moi, en bien, moins Monsieur d'une minute, Selem, en moins d'une qui minute, professeur Eben, parce parle qu'il nous reste plus de j'allais temps. dire, de Bourguiba, qui a facilité les choses à Aben pour devenir lui-même un Bourguiba de Guibolé, c'est un énorme mensonge et ça procède de sentiments qui n'honorent pas l'historien qui se prétend être. Parce que je vais vous dire, Monsieur Bourguiba, qui avait une indépendance probatoire en Tunisie en 1956, il était confronté à des troubles, deux types de troubles, les uns venant des youssefistes pro-nassériens que Nasser remontait pour pouvoir gêner Bourguiba, et les autres, c'était les amis de Mahsassed Belbella qui étaient youssefistes parce que pro-nassériens. Voilà. Le CCE, lui, il était légaliste. La réelle politique voulait qu'ils reconnaissent le gouvernement Bourguiba. Et Bourguiba a reconnu la direction institutionnelle du FLN. C'était la seule, il n'y en avait pas d'autre, c'est-à-dire le CCE. Oui. Et c'est comme ça que lorsque le CCE a décidé de mettre de l'ordre en Tunisie, le gouvernement Bourguiba était d'accord. Parce qu'il foutait la pagaille, ça il faut le reconnaître. Je ne cite qu'un événement. Au-delà de son courage, sa bravoure, son patriotisme, Abbas el-Rollon a attaqué les troupes françaises sur le sol tunisien lorsqu'elles rentraient en Algérie. Oui. Et Et sur ça, ce, ça n'a pas sur... plu au gouvernement tunisien. Et c'est la délégation extérieure, avant qu'ils aillent en prison, qui a demandé à Bourguiba de l'arrêter, de le mettre en prison. Ce n'est Alors, pas le CCE qui l'a arrêté. sur, Quand Ramadan est arrivé, nous il a sommes maintenu obligés. Abbas el-Rollon en prison. Et il l'a maintenu en fait parce qu'on lui reprochait aussi d'avoir trempé dans l'assassinat de Bachir Chiani. Donc voilà, ça Professeur n'a Belaïd absolument rien à Ebben. voir avec l'arrivée de Maurice Faure qui a influencé Bourguiba pour qu'il soit d'accord avec Abed. Ça, c'est vraiment de la pure spéculation. C'est quelqu'un qui, la personne qui raconte des choses pareilles, c'est quelqu'un qui voit l'histoire de la guerre libération nationale, comme je l'ai dit déjà dans mon livre, à travers le trou d'une serrure. C'est véritablement Professeur du Eben, délire. notre émission est malheureusement arrivée à sa fin. On l'a largement dépassée. Je rappelle que si Sadr Selam le souhaite, nous pourrions organiser entre vous deux un plateau directement ici. Nous vous inviterions
tous les deux, pour une émission beaucoup plus longue, d'une heure ou d'une heure trente, où vous pourriez vous expliquer comme des intellectuels de haute tenue que vous êtes l'un et l'autre. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, azul.